Alors le voilà, deuxième vidéo de moi et le jeune, et ça commence là très bien pour nous alors que les deux joueurs se frappent. Ils tombent au sol comme une baleine là. Échoué. Assez rigolo comme début de match. Et ça va de mal en pis pour les Packers alors que Rodgers fait intercepter par Asamoah. Il est temps de ramener le ballon sur une longue distance, que ce soit de toi sur une distance de 3 verges. Et DeSean Jackson profite d'une bévue au niveau de la défensive pour saisir le ballon et s'échapper pour un toucher. 7-0 facilement. Et regardez le jeune qui est fru, est véritablement furieux. Là. Il plaque tout ce qui bouge en ce début de match, mais se fait faire basculer. Et l'équipe adverse prend les devants. Non, ils ne prendront pas les devants. Ils vont toutefois faire un premier jeu. Est-ce que les Packers peuvent sortir de l'impasse, là? Regardons. Quatrième essai et 6, on y va court. Et belle feinte, mais ça sera toutefois à court du premier jeu. Et comment la réplique des Eagles se fera entendre? Ça se dit-tu, ça? Je sais pas. Mais regardez DeSean. Mais sans contre-fiche, lui, si ça se dit ou pas, il s'échappe. Saisit le ballon. Il va marquer un toucher. C'est comme ça qu'il fonctionne, lui. Il fait des touchés. Et puis, il fait des touchés. Et Rodgers Camardi, lui, qui n'est pas satisfait là, de sa performance, décide de lui aussi faire un toucher. Et regardez le troll. Il tente de faire des passes à ses coéquipiers, mais garde le ballon, s'échappe. Il marque le toucher facilement. Et c'est comme ça là, que l'adversaire va quitter. Regardez, 1 et 2. Donc, on joue contre les computers. Alors, toujours agréable là, de jouer contre les computers. Hein. On sait à quel point c'est agréable. Alors qu'on reprend le ballon. Est-ce qu'on pourrait aller marquer un autre toucher? DeSean, non. On ne pourra pas rejoindre DeSean. Il se fait plaquer. Et on repart le ballon. Et voilà. On les arrête. Ils devront faire un placement peut-être. Oui. Et Johnson là derrière qui tente là, de déjouer les arbitres. Ça ne marchera pas. John Jackson saisit le ballon. Premier jeu. On arrête le cadran. Et comment Vic peut faire pour améliorer ses stats? Lançant le ballon à DeSean. Il s'échappe. Lève le bras dans les airs. Il était certain que personne ne pouvait le rattraper. Et c'est 28 à 3. Et une tentative de placement. Et Johnson, il frappe l'arbitre en plein visage, là. Mais l'arbitre, il n'a rien vu. Il n'a pas vu le ballon rentrer. Il décide quand même de lever les bras. Qui est l'arbitre? DeSean Jackson. Non, cette fois, les joueurs adverses sont dessus. Mike Vick, fan de. Regardez le courir. Et oh, le numéro 50, il se fait couper les jambes, littéralement, par DeSean. Il fait tout, hein. Lui, DeSean bloque, reçoit le ballon, et fait des touchés. Tout ce qu'il fait pas, c'est plaquer les autres joueurs. Mais il n'a pas besoin de le faire, puisque c'est celui. Oh, et ça. On y va d'un coup à la tête à DeSean Jackson. On tente de le stopper, mais rien à faire, là. Il va quand même réaliser une partie incroyable. On parle peut-être de 100, de 320 verges de réception, ce qui est énorme. Alors que Vic gagne 9 verges sur sa course, 4e et 15, on tente d'y aller et on se fait frapper. Du côté de Vic, on perd le ballon. C'est une passe incomplète, mais on perd le ballon en raison du 4e essai pas converti. Et Rodgers, patient, vraiment patient. Petite passe courte à Finley. C'est un gain là, de 7 verges. 4e et 6, on décide d'y aller. Il est seul à gauche. On n'a jamais compris pourquoi il était aussi seul. On n'a jamais compris. DeSean Jackson improvise un tracé, comme d'habitude, mais cette fois, ouf. Williams dit non. Et Vic, là, qui fait le plaqué, ne veut pas laisser le joueur aller marquer un toucher. Regardez la passe, ça semble être complété, mais il échappe le ballon à la toute fin. L'arbitre là qui refuse d'accorder le toucher. Et là, le son décale. Encore une fois, toujours agréable lorsque le son décale. Je vais arranger ça d'un coup de souris. Et c'est un toucher. Alors que le jeune a raté le sac là, de peau. Après, le jeune botte le ballon à l'autre équipe.
Alors là, ça se resserre, là. Ça se resserre. Rodgers va courir, regarder la tête. Oh! Tape au sol. Peut-être là que ça va ébranler. Et pas du tout. Il décide d'aller profond à gauche. Toucher encore une fois. Je ne peux pas me permettre là, ce genre de jeu. Et regardez Rodgers. Pour les 2 points, tente de jouer les héros. Frappe son line. Tombe au. Oh. Quel échec. Et regardez avant. Il se dit. Moi je vais de l'autre côté pour que mon joueur fasse un cheap shot. Et le voilà. C'était vraiment salaud. Je pense que ce genre de jeu n'a plus de place dans notre sport. Et regardez. Vic s'en va deep. Le joueur intercepte. Il n'a plus de temps au cadran. Et met le genou au sol. C'est un joueur qui connaît son football là. Ne veut pas gagner le match. Ne veut même pas essayer. Est-ce qu'on va parler du joueur du geste salaud tantôt? Nous allons le revoir de différents angles. On ne pouvait passer à côté de ce jeu. Et c'était violent. Je dis que c'est sale, mais c'est quand même légal. On a le droit de bloquer les joueurs comme ça dans les hanches. Mais est-ce vraiment nécessaire de frapper le joueur de cette façon? Oh, mais c'est un véritable croc en jambe. C'est un croc en jambe, là, tout simplement. Et il fallait que j'empoigne un des quatre. Ça a tombé sur cette personne. Oh, heureusement, il n'a pas été blessé.